Alors la situation est extrêmement tendue en Martinique. Elle tient le coup, entre guillemets, grâce à l'ensemble des renforts qui sont venus épauler les équipes de soins martiniquaises pour pouvoir prendre, enfin, vraiment pousser les murs en continu. Et chaque jour, le CHU pousse les murs de façon à créer de nouveaux services, à pouvoir accueillir plus de patients. Et actuellement, on a plus d'une centaine de lits de soins critiques et plus de 400 et presque 500 maintenant lits de médecine répartis sur l'ensemble de la Martinique et qui prennent en charge tous ces patients. Et c'est encore à peine suffisant, ce d'autant qu'on voit maintenant arriver des formes chez l'enfant. Qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant, des atteintes des femmes enceintes qui parfois conduisent à des césarisations. La vaccination, effectivement, est largement insuffisante dans ces territoires. On a à peu près les mêmes taux de vaccination que la Guadeloupe et des taux qui sont plutôt supérieurs à ceux de la Guyane. On avoisine les 30% de première injection de vaccin, qui parfois est la seule nécessaire quand on a déjà fait le Covid, dans la population des plus de 12 ans. Ce taux est en augmentation. On sent maintenant là, une reprise d'un certain engouement pour la vaccination, probablement lié aussi à la pression de l'épidémie et à ses conséquences, qui sont une véritable hécatombe à cause du Covid-19 sur ce territoire.